Qu'est-ce qu'on appelle le, la Sainte doctrine? Quand on parle par exemple la Sainte doctrine. Ouais, mais la Sainte doctrine, c'est et, euh, et euh, la scène doctrine, c'est la Sainte doctrine, c'est tout simplement Christ. Hein. Bon, à Dieu. Parce que Christ mmh. est la parole. Amen. La doctrine veut dire enseignement, mmh. n'est-ce pas? Mmh. Donc Christ a dit quand l'esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Mmh. Il parlera de moi. Amen. Il a dit mmh. la mission principale du Saint Esprit c'est la révélation de Christ. Ah, gloire à Dieu et non la révélation d'un bishop d'un pasteur d'une église le Seigneur l'a dit on peut même le prendre dans Jean euh, on va prendre Jean d'abord chapitre 14 parce que ceux qui ont l'esprit de Christ <laughs> ben forcément il les révèle Christ il parle de Christ amen donc c'est pour cela que le message le plus important c'est Christ et euh, Jean 14 et euh, on va euh, descendre. Euh, voilà ok si vous m'aimez, verset 15, mmh. gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour demeurer avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, ça, j'aime bien ce verset-là parce que mmh. ne peut laisser les orphelins qu'un père, qu'un parent. Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Seul un parent. Homme ou femme mm -hmm. peut laisser un orphelin ou des orphelins. Mm -hmm. On est d'accord? Amen. Donc quand Jésus-Christ dit ici aux apôtres qu'il n'allait pas les laisser orphelins, orphelin, oui. il veut dire qu'il était leur père, mm -hmm. leurs parents. Mm -hmm. Tu vois? Mm -hmm. Par exemple, et euh, moi je suis orphelin de père et de mère. Mm -hmm. Donc, et euh, et je n'ai plus de père biologique, plus de mère biologique. Donc, je suis un orphelin. Mm -hmm. Et si Jésus-Christ dit ici aux apôtres qu'il n'allait pas les laisser orphelins, c'est que dans la pensée de Christ, il était leur père. Il représentait leur père, oui. Bah ben oui. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas qu'il le représentait. Il l'était. Ah, gloire à Dieu. <laughs> Amen. Parce que toi, tu peux me représenter. Tu n'es pas forcément moi. Comme un ambassadeur. Mm. Il représente son pays à l'étranger. Mm -hmm. Mais il n'est pas son pays. Tu vois? Mm -hmm. Alors que Christ-là... Il était lui-même la, la, la manifestation du Père. Alléluia. Parce que mmh. c'était Emmanuel. Mmh. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc là, c'était juste une parenthèse parce que c'est un verset qui est quand même très parlant. Mmh. Et, euh, et on continue à, à descendre. On va dans et euh, Jean chapitre 16. Voilà. Et, euh, et euh, on descend au verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Hein il ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra, convaincra, pardon, le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il n'en croit pas à moi. De justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Au verset 12. Et je vous dis encore, j'ai encore, j'ai à vous dire plusieurs choses encore, mais elles sont au-dessus de votre portée. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Wow. Donc l'Esprit Saint vient glorifier Jésus. L'Esprit Saint, pardon, vient à nous pour glorifier Jésus. Amen, amen. Donc la doctrine, la sainte doctrine, mm -hmm. c'est la glorification perpétuelle de Jésus-Christ de Nazareth. Mm. Et il dit il prendra tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit révèle Christ. Il annonce aux disciples et après et ils vont annoncer au, Jésus. au peuple de Dieu. Voilà. Et comme Jésus et Dieu, mm -hmm. comme Jésus est la vie, mm -hmm. donc ceux qui prêchent Jésus-Christ véritablement, mm -hmm. ceux, qu a appelé, enfin, ceux qui l'ont appelé, pas ceux qui se sont appelés eux-mêmes, mm -hmm. et eh ben là, forcément, il y a des miracles. Amen, amen. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de miracles, qui condamnent les miracles, c'est la, la jalousie, soit c'est de la jalousie ou ben, de l'ignorance, voilà. Okay,